Je vais vous présenter des exercices d'acrobatie que vous pouvez faire en famille, avec vos parents, avec les enfants, qui nécessitent juste un petit tapis de yoga ou bien une natte que vous pouvez utiliser pour faire des exercices à la maison. Sur ce premier exercice, il faut bien gainer le corps. Tu serres les abdominaux et les fesses. Tu tends bien les bras et tu fixes ton regard entre les deux mains. Cette fois-ci, on va marcher sur les mains vers le mur. Quand tu arrives au mur, pense à bien aligner ton corps. Ta tête doit bien rester entre tes épaules. Tu peux essayer de rester 10 secondes le long du mur. Surtout, pense bien à respirer. Et pour descendre, tu peux le faire de différentes manières. Sur le côté ou bien en roulade. Pour ce deuxième exercice, tu dois demander à quelqu'un de t'aider. Il peut se placer sur le côté ou devant toi. N'oublie pas de suivre les consignes du premier exercice. On gaine et on aligne le corps. Place une jambe en avant sur laquelle tu vas transférer le poids de ton corps. Ensuite, lance la jambe de derrière tout en plaçant tes mains au sol. La jambe d'appui vient rejoindre l'autre et tout le poids se transfère maintenant dans les bras. Quand tu es assez à l'aise, tu peux essayer de le faire tout seul. Maintenant, tu vas refaire la même chose, mais face au mur. Pense à bien rapprocher tes mains du mur. Pense toujours, c'est très important, à bien aligner le corps. Tu peux ensuite le faire tout seul. Si tu n'as jamais fait la roue, pose au sol un objet qui va te servir de repère. Un tapis, un coussin, un foulard. Pose tes mains dessus et essaye simplement de faire passer les pieds de l'autre côté. Si tu maîtrises déjà les mouvements de base, on y va pour une vraie belle roue. Fente avant, les mains en haut, près des oreilles. Et tu vas lancer les jambes l'une après l'autre, en plaçant les mains aussi l'une après l'autre. Pense à bien écarter les jambes et à aligner le corps. Là aussi, tu peux demander à quelqu'un de venir t'aider. Ça va te permettre de décomposer le mouvement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci.